Dans les derniers épisodes, je me suis opposé à la méthode scientifique par p-value, qui est aujourd'hui la plus utilisée, mais aussi la plus recommandée dans les discours sur la méthode scientifique. En bref, je pense qu'il est grand temps de bannir du langage scientifique des notions comme statistiquement significatif, preuve scientifique ou aucun effet n'a été détecté. Et plus généralement, je pense qu'il est temps de renoncer à l'idée de science par réfutation, surtout par réfutation par une sorte de tribunal qui serait l'expérience randomisée en double aveugle. Une expérience seule ne suffit pas, et toute méta-analyse est inéluctablement biaisée par les biais de publication. En fait, de façon générale, bien déterminer ce qui peut être inféré des données, c'est-à-dire faire de l'épistémologie, c'est compliqué. Alors, au vu de ce discours, vous avez peut-être du coup eu l'impression que je faisais mon rebelle qui s'oppose à l'autorité scientifique. Sauf que, pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est finalement relayer l'exaspération croissante de très 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 nombreux statisticiens. S'opposer à la p-value est devenu une position consensuelle chez les statisticiens, surtout dernièrement. Et surtout en particulier suite à une publication dans Nature co-signée par 800 scientifiques en mars 2019. Et surtout quand, pendant ce temps, la revue scientifique The American Statistician publiait une édition spéciale intitulée « Moving beyond the world beyond p smaller than 0.05 ». En fait, il ne me semble pas déraisonnable d'affirmer que les statistiques sont en train de traverser une sorte de crise existentielle. En particulier, il semble y avoir une crise des fondements des statistiques. Et vu que les sciences s'appuient inéluctablement sur les statistiques, il ne me semble pas déraisonnable de parler même de crise des fondements des sciences. Pour appuyer ces propos, aujourd'hui, je vous propose de découvrir à quel point les statisticiens s'opposent à la méthode scientifique souvent préconisée aujourd'hui, ainsi qu'à la méthode qu'appliquent en pratique les scientifiques d'aujourd'hui. Voici des citations de statisticiens de premier rang qui datent tous de mars 2019. Le biais de publier uniquement les résultats dont les p-values aux tests statistiques d'hypothèses nulles est en dessous du seuil communément admis de 0,05 ou 0,01 a rendu l'échec de réplication inévitable à cause de la régression à la moyenne. C'est tout à fait extraordinaire qu'un modèle d'inférence qui résiste à l'implémentation prescrite et qui joue de toute façon un rôle très limité dans le progrès scientifique a néanmoins dominé les pages des journaux en sciences sociales, sciences du management et en sciences biomédicales pendant des décennies. Clairement, une refonte sérieuse de la réflexion autour du rôle des statistiques dans l'avancée scientifique est requise. De nos jours, de nombreux scientifiques sont formés aux tests statistiques d'hypothèses nulles. Dans cette tradition, les études complexes sont résumées principalement par une série de p-values et celles-ci sont ensuite utilisées pour établir des jugements catégoriques, par exemple ce médicament marche ou ce médicament ne marche pas, souvent avec très peu, voire aucune attention prêtée à l'amplitude de l'effet. Quelle est la taille d'effet du médicament ou à l'incertitude de la généralisation à partir de l'échantillon. À quel point les résultats pourraient nous induire en erreur. L'utilisation incorrecte des tests statistiques d'hypothèses nulles a certainement quelque chose à voir avec la reproductibilité. L'un des plus récurrents contresens, par exemple, est le fait que la p-value est une estimation de la probabilité que l'hypothèse nulle est vraie. Prétendre qu'une hypothèse est fausse avec probabilité 95% car une expérience a conduit à une p-value de 0,05, c'est effectuer une déclaration irresponsable. Au lieu d'inférence sur les paramètres, la vraie importance d'un traitement ou d'un effet explicatif ne concerne que la distribution des observables. De plus, le but principal de l'inférence statistique devrait être de prédire des valeurs réalisables non encore observées à partir des valeurs qui ont été observées. Alors qu'une p-value ou un facteur de Bayes peut être utile en tant que simple résumé numérique, elle ne devrait pas être célébrée comme la mère de toutes les statistiques de la prise de décision scientifique. Des débats animés ont eu lieu dans le passé, notamment entre Fisher et Jeffreys et entre Fisher et Neyman. Même aujourd'hui, les débats paradigmatiques ne semblent pas faiblir, que ce soit dans la littérature publiée ou sur les réseaux sociaux. La significativité statistique n'est pas une mesure de significativité pratique, clinique ou scientifique. Tout faux positif publié dans la littérature à comité de lecture fournit des munitions à ceux qui s'opposent aux sciences. Ceci n'a jamais été aussi important. Il y a désormais une énorme pression venant de l'intérieur et de l'extérieur des sciences pour améliorer la fiabilité des résultats publiés.
Ce que je propose, c'est que les termes significatifs et non significatifs ne soient plus utilisés du tout. Il y a de nombreuses limitations abondamment discutées de ces méthodes, comme les p-values piégeusement très faibles et non ajustées pour tenir compte de l'ajustement itératif, et les mesures biaisées R carré parmi d'autres. Nous avons été si habitués à avoir notre attention attirée par les niveaux de significativité surlignés, comme le fait que P est inférieur à 0,05, que nous sommes souvent devenus aveugles à des choses plus grandes et peut-être plus importantes, comme l'estimation du sens profond de nos études. Les études d'un phénomène psychologique donné ne peuvent jamais être des réplications directes ou exactes les unes des autres. Par conséquent, l'hétérogénéité ne peut pas être évitée. Plutôt que de chercher en vain à l'éliminer, nous proposons que des projets de réplication à grande échelle l'embrassent dorénavant à travers la variation systématique des facteurs de la méthode. Nous ne devrions pas nous cacher derrière la diligence et la facilité. Nous prétendons que les patients accepteraient un traitement à 50% de chances de soigner le cancer du pancréas, alors que la plupart pourraient préférer une probabilité de 95% qu'un traitement produise une perte de 10 kg en une année. Ces affirmations sont bien mieux adaptées pour être décrites comme l'effet d'un traitement dans un paradigme bayésien. Le processus de tourner les données en savoir est central à l'entreprise scientifique. Il est donc remarquable que l'approche la plus utilisée, les tests statistiques d'hypothèses nulles, a été sujette à des critiques dévastatrices depuis si longtemps avec si peu d'effets. Je vais démontrer que dans le domaine de l'éducation et d'autres disciplines, les tailles d'effet, comme les valeurs D de Cohen, ont été tout aussi problématiques que les p-values pour produire des découvertes erronées concernant l'efficacité des interventions. Tous les principaux protocoles demandent l'intervention de beaucoup de ressources, en particulier du temps des experts, de facilitateurs et de ceux qui organisent les licitations. Les licitations ne devraient pas être vues comme une option à faible coût. Cependant, le résultat est de l'information, élicitée d'experts de manière rigoureuse et scientifique. Il y a une mécompréhension persistante concernant la quantité de preuves statistiques contenues dans les p-values, et beaucoup de scientifiques sont réluctants à ajuster leur interprétation des p-values fondées sur des mesures directes de données. Les fréquentistes ont des procédures pour choisir des modèles et estimer des paramètres, les bayésiens ont des procédures pour calculer les probabilités a posteriori des modèles et des paramètres. Chaque type de procédure peut sembler avoir beaucoup de sens quand il y a beaucoup de modèles et de paramètres. Cependant, souvent, il n'y en a pas, et prétendre le contraire peut conduire à des erreurs d'inférence car ceux-ci détournent l'attention de la tâche souvent plus cruciale de trouver les bons modèles. Les chercheurs académiques sont intéressés par leur carrière. Parce que les promotions dans le monde académique dépendent en grande partie des publications, les chercheurs académiques ont d'énormes motivations à publier. Du coup, les éditeurs de journaux ont un pouvoir énorme. Si les éditeurs de journaux insistent sur des pratiques qui sont bonnes pour la science, les auteurs vont s'ajuster et la science en bénéficiera conformément. Au contraire, un manquement à insister sur les bonnes pratiques des sciences et même une insistance sur des pratiques néfastes à la science, comme les tests statistiques d'hypothèses nulles, se fera sans surprise au détriment de la science. Même ceux qui considèrent néanmoins les p-values comme des outils pour séparer les résultats qui demandent plus d'études de ceux qui sont purement dus à la chance, sont généralement d'accord pour dire que les p-values sont inutiles si elles ne sont pas analysées dans le contexte adapté et calculées à partir d'études conçues de manière appropriée. Au cours des dernières années, une série d'exemples très publicisés, combinés à des travaux théoriques, ont montré clairement que les résultats statistiquement significatifs peuvent être obtenus à partir de pur bruit. Les tentatives précédentes d'adresser ce problème, en particulier le détournement et l'abus croissant des tests statistiques d'hypothèses nulles et l'omniprésente p-value, ont été totalement inefficaces. La contribution que vous lisez fournit des éléments empiriques qui le montrent. De façon plus spécifique, nous montrons qu'une série d'articles très cités et de livres qui exposent les faiblesses fondamentales des tests statistiques d'hypothèses nulles et leurs effets néfastes sur le développement du savoir ont néanmoins été incapables d'empêcher leur essor inexorable dans les sciences sociales et de management au cours de la période 1960-2007.
Le problème est que les p-values ont des mauvaises performances dans la tâche qui leur est donnée. Elles confondent taille d'effet et précision, rendant confuse l'emphase naturelle sur les tailles d'effet importantes. Elles dépendent de la conception expérimentale prévue, même si celle-ci n'est pas suivie. Leur interprétation adéquate est bizarre. Elles sont incohérentes avec les mesures les plus intuitives d'éléments à charge statistique qui se déduisent des paradigmes de la vraisemblance, du bayésianisme et de la théorie de l'information. En pratique, ces failles prédominent sur les attributs bénéfiques des p-values. Les règles simples, comme le fait ou non que l'hypothèse nulle est rejetée, donnent une fausse impression de certitude. Une preuve n'est possible que dans des cadres théoriques comme la logique et les mathématiques. Au lieu de cela, la recherche empirique génère des éléments à charge. Nous devons prendre la responsabilité d'avoir sursimplifié le test d'hypothèse dans nos cours introductifs avec des règles dichotomiques simples d'acceptation ou de rejet et le langage de rejet d'hypothèse nulle et de preuve de l'hypothèse alternative et ainsi de suite. L'anonymisation des racines de la p-value et du test d'hypothèse a contribué à l'idée qu'elles sont fournies comme vérité et a encouragé l'utilisation sans réfléchir de ces procédures au point d'être mal utilisées et abusées. Il y a un besoin pressant d'amener l'analyse statistique et la prise de décision empiriquement fondée au-delà du système actuel de surtests et de sous-réflexion. Comme beaucoup de chercheurs l'ont découvert, les tests à base de p-value standard ne sont juste pas utiles quand les échantillons deviennent larges puisqu'elles finissent par rejeter n'importe quelle hypothèse. Beaucoup affirment que les principaux défis concernent la compréhension de la logique des tests d'hypothèses scientifiques et de s'éloigner des règles mécaniques comme P inférieur à 0,05 comme substitut au raisonnement contextuel. Ce que nous prétendons, c'est que la logique du test est la mieux enseignée en premier cours de statistique. Cependant, la recherche en éducation statistique montre clairement que cette logique est beaucoup plus dure à enseigner et à apprendre que simplement P inférieur à 0,05. Le fait de s'appuyer sur les tests statistiques d'hypothèses nulles s'est beaucoup normalisé en psychologie entre 1940 et 1955 et est depuis devenu un culte, ainsi que le fondement d'un large corpus de recherches corrompues en business, management et dans d'autres sciences sociales. Beaucoup de problèmes surviennent car les affirmations de significativité sont fondées sur des règles supposées qui sont abstraites et trop peu reliées au contexte d'application. Nous croyons que ceux qui en savent le plus sur ce sujet sont proches d'un consensus sur le fait que les conclusions scientifiques et les décisions en politique ou en business ne devraient presque jamais être fondées sur « est-ce que la p-value passe un seuil spécifique ?». La p-value seule ne mesure pas la taille d'effet ou l'importance d'un résultat. Une meilleure solution n'est pas de changer le seuil, mais de trouver une alternative à s'appuyer exclusivement sur un seuil. Le contexte importe. On nous a demandé d'organiser une session et d'écrire un article sur la question « L'opinion et le jugement des experts ont-ils un rôle dans l'inférence statistique et la prise de décision empiriquement fondée ?» Alors que nous avons travaillé avec différentes perspectives et dans différents paradigmes statistiques, à la fois fréquentistes et bayésiens, il y a un oui unanime parmi nous. Il est important de reconnaître le fait qu'une politique de publication n'est pas parfaite. La science est fondamentalement difficile et nous devons toujours être prêts à accepter le fait qu'une certaine proportion des recherches sera potentiellement erronée. Le plus gros de tous les problèmes avec les p-values est peut-être le fait qu'elles sont souvent mal interprétées, selon des manières qui exagèrent les éléments à charge contre l'hypothèse nulle. Malheureusement, les chercheurs utilisent communément des concepts d'inférence statistique dont les fondements sont distants du problème du choix de traitement. Il est devenu particulièrement commun d'utiliser des tests d'hypothèse pour comparer des traitements. Un objectif central des tests randomisés cliniques est d'informer les choix de traitement. La convention a été de choisir des tailles d'échantillons qui permettent une puissance statistique spécifiée quand on teste des hypothèses nulles désignées à propos de réponses au traitement contre des alternatives désignées. Cependant, la puissance statistique et le test d'hypothèse sont au plus peu liés à la prise en charge efficace du patient. Alors que les p-values sont certainement limitées dans leur champ d'applicabilité et difficiles à comprendre correctement, beaucoup de critiques sévères jugent ces statistiques selon des critères inappropriés ou en comparaison avec des méthodes sujettes à des critiques parallèles. Les critiques particulièrement pernicieuses sont celles qui négligent comment l'exigence d'inférence conclusive peut saper n'importe quelle méthode.
l'utilisation des p-values est devenue une épidémie qui affecte la majorité des disciplines scientifiques. Une action forte est nécessaire, à la fois de la part de la communauté statistique et plus généralement de la communauté scientifique. D'énormes biais de sélection peuvent rendre n'importe quoi statistiquement significatif à tort, et il est très probable que ces biais opèrent dans beaucoup, probablement même la plupart des domaines scientifiques qui utilisent les p-values, surtout avec un seuil tolérant de p inférieur à 0,05 pour affirmer être un succès. Les tests statistiques d'hypothèses nulles et les p-values sont les outils fondamentalement les plus adaptés pour uniquement une minorité de la recherche actuelle. Enfin, dans l'éditorial, les éditeurs de journaux écrivent « Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse dire ici à propos des problèmes des p-values et des tests statistiques qui n'aient été dits ailleurs depuis des décennies. Si vous débarquez dans le débat, voici un échantillon de ce qu'il ne faut pas faire. Ne fondez pas vos conclusions uniquement sur une association ou un effet qui ait été qualifié de statistiquement significatif, c'est-à-dire une p-value qui passe un seuil arbitraire comme p inférieur à 0,05. » Ne croyez pas qu'une association ou effet existe juste parce qu'il est statistiquement significatif. Ne croyez pas qu'une association ou effet n'existe pas juste parce qu'il n'est pas statistiquement significatif. Ne croyez pas que votre p-value donne la probabilité que le hasard seul produit l'association ou l'effet observé, ou quelle est la probabilité que votre test d'hypothèse est vrai. Ne concluez rien à propos de l'importance scientifique ou pratique d'un test statistiquement significatif ou d'un test statistiquement non significatif. Plus de 60 ans de critiques incisives n'ont pas détrôné le test statistique d'hypothèse nulle en tant qu'approche dominante de l'inférence dans de nombreux domaines des sciences, note Kalin, Judgman et Cumming. Le mouvement actuel, cependant, semble enfin être du côté de la réforme. Les éditeurs du journal concluent, et donc, faisons-le. Allons au-delà du statistiquement significatif, le bouleversement et la disruption sont inévitables à l'heure qu'il est, et ça vaut le coup. Dans un monde au-delà de P inférieur à 0,05, en se libérant des chaînes du statistiquement significatif, les statistiques en sciences et en politique vont devenir plus significatives que jamais. Bon voilà, j'espère que ces citations vous ont convaincu à la fois de l'importance des statistiques pour les sciences et que les statisticiens sont très mécontents de l'utilisation des statistiques par les sciences aujourd'hui. Et surtout qu'ils sont très critiques de la méthode des scientifiques, de la méthode scientifique souvent préconisée et des affirmations selon lesquelles la science d'aujourd'hui est la moins mauvaise des approches possibles. La science fait beaucoup mieux que nos intuitions de primates, mais elle peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Elle doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Il est intéressant de noter que les statisticiens semblent s'accorder sur plusieurs façons de faire mieux, comme bannir la terminologie statistiquement significatif, voire peut-être même la notion de preuve scientifique. Par ailleurs, il semble y avoir un consensus sur l'importance de la prise en compte du contexte et de l'expertise préalable pour bien analyser les données. En termes bayésiens, il semble que les statisticiens soulignent tous l'importance d'avoir des préjugés pour bien interpréter les données. Comme le dit le proverbe bayésien, sans préjugés, aucune conclusion ne peut être tirée. Cependant, derrière ce consensus assez marqué, vous aurez peut-être ressenti des points de désaccord entre statisticiens. Alors, je n'ai pas choisi les citations qui soulignent au mieux ces désaccords. Mais pour les plus motivés, je vous invite vraiment à vous plonger un peu dedans. On est très loin d'un consensus sur quelle méthode statistique devrait être appliquée en pratique. Les articles des uns et des autres se contredisent souvent. Et en tout cas, à titre personnel, je ne suis vraiment pas d'accord avec certaines phrases écrites par certains statisticiens. Et du coup, je pense qu'il est tout à fait juste de parler de crise des statistiques. En particulier, il semble que toute méthode statistique est à prendre avec des pincettes, surtout si elle n'est pas confortée par des théorèmes mathématiques solides qui démontrent les bonnes propriétés de la méthode statistique en question. Bref, je vous invite tous à faire preuve de beaucoup plus de prudence épistémique pour parler des statistiques, et surtout de la méthode scientifique qui s'appuie inéluctablement sur l'analyse de données, ce qu'on appelle également des statistiques. La dernière fois, on a parlé de parapsychologie et de cette étude avec une p-value largement publiable et surtout cette méta-analyse avec une p-value à 6 sigma qui conclut en rejetant l'absence de phénomènes parapsychologiques et donc dit de façon équivalente qui conclut en le fait qu'il existe des phénomènes parapsychologiques. Et j'avais passé un extrait de Rationally Speaking où Massimo Pibilucci citait les défenseurs de la parapsychologie et ces défenseurs de la parapsychologie disaient que si ce genre de résultat était arrivé pour une autre discipline, alors
on aura accepté les résultats et on serait passé à autre chose. Pino Harton fait une remarque que Massimo Pigliucci a fait également dans le podcast, mais j'ai coupé, donc je vous invite à l'écouter le podcast pour avoir tous les détails. Leur remarque commune est le fait que, en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait davantage de scepticisme vis-à-vis de ce genre de résultats et que l'on ne passe pas à autre chose parce que ces résultats sont extraordinaires. Or, il existe ce fameux proverbe zététique de Carl Sagan et qui est également un théorème bayésien qui dit que des preuves extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires, ou pour reprendre les mots de Moussoufi, des preuves plus qu'extraordinaires. Et en effet, c'est une remarque extrêmement valide, mais il faut bien noter qu'une preuve à 6 sigma, c'est quelque chose de remarquablement extraordinaire, surtout en sciences sociales, surtout en psychologie, où il est beaucoup plus commun d'avoir des preuves par p-value avec un petit p qui est égal à, je sais pas, 2%, quelque chose comme ça. Avoir une p-value à 0,00001%, c'est vraiment quelque chose qui, en un sens, est une preuve extraordinaire, une preuve en tout cas qui sort de l'ordinaire de la littérature en psychologie. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que finalement, on a besoin vraiment de quantifier à quel point les choses sont ordinaires ou pas. Et quantifier tout cela est un travail extrêmement difficile, mais qu'il faut faire au bout d'un moment. Et en particulier, la p-value est un indicateur de ça, c'est pas forcément le meilleur des indicateurs. Mais un autre point qui est extrêmement intéressant et qui me semble souvent négligé, c'est le fait de mesurer à quel point une affirmation est extraordinaire et ce que l'on entend par le fait qu'une affirmation est extraordinaire. Est-ce que par exemple, si je vous dis qu'il y a une probabilité non négligeable qu'une IA de niveau humain apparaisse avant 2030, est-ce que cette affirmation par exemple est une affirmation extraordinaire? Est-ce que j'ai besoin de preuves extraordinaires pour pouvoir l'affirmer? De prime abord, on pourrait vouloir dire oui, cette affirmation est extraordinaire car elle sort de l'ordinaire dans le sens où c'est pas le genre de phrase que l'on dit souvent. Mais ça finalement, c'est vrai de beaucoup de choses. Si je vous parle par exemple du principe d'incertitude d'Heisenberg ou du théorème de Gödel, ce sont des affirmations qui en un sens sont également extraordinaires puisqu'elles sortent de l'ordinaire, en tout cas du quotidien de la plupart des personnes. Donc la notion d'extraordinaire est en fait beaucoup plus subtile que ça, il s'agit d'une notion qui est forcément relative à d'autres choses. Finalement, c'est un adjectif qui est finalement en fait plus problématique qu'autre chose. Finalement, ce qu'on entend vraiment par une affirmation extraordinaire, c'est finalement une affirmation qui est très peu probable a priori. Alors pour justifier cela, souvent on invoque le rasoir d'Occam qui dit que des affirmations plus simples sont beaucoup plus ordinaires, des affirmations beaucoup plus compliquées sont plus extraordinaires du coup. Mais en fait, ce genre de remarque ne semble pas vraiment s'appliquer au cas, en tout cas de la parapsychologie. On en reparlera, mais l'utilisation du rasoir d'Occam dans beaucoup de cas est en fait extrêmement bancale et surtout extrêmement malléable, ce qui conduit beaucoup de personnes du coup à le manipuler de sorte à pouvoir conclure ce qu'ils souhaitent conclure. J'insiste un peu sur tout ça parce que j'ai l'impression que la réflexion autour de ce qu'est une affirmation extraordinaire est souvent très négligée et finalement, en tout cas d'un point de vue bayésien, ça correspond vraiment à avoir des préjugés, mais ces préjugés ne viennent pas de nulle part et en l'occurrence dans le cas de la parapsychologie, ces préjugés, en tout cas mes préjugés avant de découvrir les résultats de BEM, même si je ne les avais pas formalisés de façon très très nette, mais les préjugés qu'il était adéquat pour moi d'avoir avant de découvrir les résultats de BEM si j'avais davantage réfléchi, ce sont vraiment ces préjugés issus de réflexions autour de la physique théorique et de l'argument économique que j'ai présenté la dernière fois. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui clôt quasiment l'ensemble de mes critiques sur la p-value. On va repasser à des trucs beaucoup plus bayésiens désormais. En particulier, la prochaine fois, on va parler de l'un de mes bayésiens préférés, le génialissime Alan Turing. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur Paul Ordon et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Back in 2016, the American Statistical Association released a statement meant to help researchers understand and use p-values better. It was reportedly the first time the 170-plus-year-old organization made this type of explicit recommendations. Among the guidelines the Statistical Association published, scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on whether a p-value passes a specific threshold. And a p-value or statistical significance does not measure the size of an effect or the importance of a result. P-values need to be understood in context. Science always has and always will encounter some false starts as part of the collective acquisition of new knowledge. Finding ways to improve the reproducibility of our results can help us weed out those false starts more effectively, keeping us moving steadily toward exciting new discoveries.